Monsieur Sébastien Rivard, s'il vous plaît, du regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal qui regroupe près de 300 organismes. Bonjour tout le monde. Alors, le RIOC, on regroupe tous les organismes communautaires qui œuvrent en santé et services sociaux de la région de Montréal. Pourquoi c'est important pour nous de sauver les services publics? C'est parce que c'est important pour la population de tous les quartiers, notamment la population autour du plateau Mont-Royal qui doit conserver un accès direct à des soins de santé comme celui de l'Hôtel-Dieu. C'est pour ça qu'on va signer cette déclaration-là. Ouais! Les organismes communautaires, je ne sais pas si vous savez, mais l'Agence de la santé, en coupant ses lits de CHSLD un peu partout à Montréal, est en train de renvoyer au milieu communautaire et à l'économie sociale les responsabilités de s'occuper des personnes âgées. Nous, on pense que c'est très dangereux d'accélérer ce processus-là si on ne conserve pas des places ouvertes dans nos CHSLD publics. Et ça, c'est une autre des raisons pour lesquelles on va signer cette résolution-là. Autre raison importante, je pense que l'Hôtel-Dieu doit absolument rester dans le patrimoine public et garder une vocation de santé et une vocation communautaire. Si jamais l'agence décide qu'il y a trop de lits ici, je pense qu'il y aurait moyen de faire des excellents partenariats. On l'a nommé tantôt faire des logements sociaux, faire de la place à des organismes de la communauté qui pourraient aussi aider la population de Montréal et du quartier. Je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Il ne faut surtout pas que ça soit transformé en condo. Bravo! Alors, pour toutes ces raisons, les organismes communautaires vont être avec les syndicats, avec les autres membres de la communauté dans cette bataille-là. Je pense que les groupes du Plateau Mont-Royal, regroupés au sein d'Action Solidarité Grand Plateau, ont un rôle particulier à jouer pour continuer de défendre ça. Et il faut aussi surveiller l'Agence de la santé, qui a décidé que le bâtiment était déjà rendu dans un bâtiment excédentaire. Il faut les surveiller pour pas qu'ils aient fait autoriser ça dans un fast-track à Québec, que ce soit vendu en catimini. Il va falloir être extrêmement vigilant. Et là-dessus, le RIOC, on est à l'agence, toutes les semaines, on va être très vigilant là-dessus. Et on va vous tenir au courant et on va faire la bataille ensemble. Alors, solidarité, on va gagner cette bataille de tout le monde. Merci. Ouais. Ouais. Alors, M. Vieira de l'Association portugaise du Canada et directeur de Radio Centre-Ville vient d'arriver. Bonjour. Alors, je serai bref, mais je pouvais ne pas être là parce qu'il nous fait plaisir de nous associer au syndicat et à tous ceux qui luttent pour préserver dans notre patrimoine ce joyau qui est l'Hôtel Dieu. Vous savez, les Portugais sont un peu associés à ce secteur, à ce quartier, et ils tiennent beaucoup à ce que ça reste dans sa vocation traditionnelle et originale. Les Portugais, vous savez aussi, ont déjà contribué beaucoup à certaines façons, il y a quelques années plus tôt, mais ils ont donné une contribution importante à la revitalisation de ce quartier. Ils ont en quelque sorte en partie sauvé déjà de démolition qui était prévue dans les années 70. Alors, ils tiennent à s'associer à cette bataille aujourd'hui parce que l'Hôtel Dieu est crucial pour plusieurs communautés, mais notamment pour la communauté portugaise qui habite beaucoup dans les environs, notamment les personnes âgées. Il y en a beaucoup de Portugais qui, pour toutes sortes de raisons, se sont dispersés un peu sur toute l'île de Montréal et dans les couronnes. Mais il y en a encore beaucoup, surtout des personnes âgées, qui tiennent à rester ici dans le quartier et qui vont probablement rester et qui ont besoin de services, même s'ils doivent être modifiés, mais qui le seront adressés. Et c'est pour ça que je tenais à être ici présent. Et j'espère qu'on va le garder. On l'a, on va l'avoir. Merci. Merci. Monsieur Pierre-Jacques Hamel, professeur de l'INRS en urbanisation, culture et société. Je serai bref. Ça me fendrait le cœur de savoir que cet hôpital-là ne servirait plus pour livrer des soins d'excellente qualité. Il y avait encore... tout le monde a de la famille qui a été soignée ici. Il y avait le caméraman de TVA qui disait qu'il a été opéré et traité ici récemment. Il disait « j'étais pas à l'hôtel, mais proche ». Ça serait dramatique. Mais le point le plus important, c'est que cet immeuble-là, ça a été bâti, entretenu, rénové avec de l'argent public récemment. C'est très récent, l'assurance hospitalisation, c'est 1964.
L'assurance maladie, c'est 1970. Mais avant ça, c'était qui finançait cette hôpital-là? C'était nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Quand c'était les religieuses, quand c'était privé, entre guillemets, c'était quand même de l'argent du public qui était là-dessus. C'est un outil collectif. Ce serait malheureux que quelque chose qui a été bâti par la collectivité passe au privé. Merci, M. Hull. Je vous invite également à signer la déclaration. J'invite Mme Lucia Koualouk, qui est du comité des citoyens de Milton Park. C'est un plaisir d'être ici, de donner l'appui du comité citoyen Milton Park, qui compris quelques cents de membres. Et je vais inviter notre vice-président, Dimitri Roussopoulos, qui va vous présenter quelques mots. Alors, écoutez bien. Pour le comité citoyen Milton Park, qui est le comité militant qui s'occupe de le quartier au sud de l'avenue des Pins, qui a réalisé il y a 30 ans le plus grand projet de coopérative d'habitation au Canada. J'ai quelques mots à vous dire à ce sujet-là. Nous, on a sauvé ce quartier-là pour les gens de faible revenu, pas seulement en faisant des déclarations importantes, pas seulement en faisant du lobbying avec les élus et les politiciens, mais on était tellement engagés dans cette bataille pour sauver notre quartier qu'on était même arrêtés, on était mis en prison, on a fait des procès, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Et je vous dis une chose aujourd'hui, que pour sauver Hôtel Dieu et de maintenir ces institutions dans le domaine public, nous, les gens qui habitent ce quartier, on est prêts d'aller jusqu'à là. Vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur nous. Parce que ça fait partie de notre quartier aussi. Vous êtes veuve pas, vous êtes aussi membre de la grande communauté Milton Park. Alors, bravo pour la bataille. On est là avec vous. Comptez sur nous. Ouais! Ce temps, j'inviterai M. Pierre Hull de la communauté Milton Park, coop d'habitation. Alors, je ne répéterai pas ce que Dimitri et Lucia viennent de vous dire. Par contre, je vais vous éclairer un peu sur ce que c'est la communauté Milton Park. Alors, la CMP, c'est un ensemble de 25 organismes. C'est un ensemble de 25 organisations composées de coopératives, d'OSBL, d'habitation, d'organismes communautaires et de commerces du quartier. Plus de 1500 personnes à revenus faibles et de classe moyenne provenant de plus d'une cinquantaine de pays logent dans nos immeubles. La CMP est le plus grand quartier coopératif rénové en Amérique du Nord, comme le mentionnait Dimitri tout à l'heure. La CMP fait partie des 10 finalistes pour le prix World Habitat Award 2013, sélectionné parmi 200 projets en habitation à travers le monde. Les deux grandes missions de la CMP sont l'accès au logement pour les personnes à faible revenu et aussi la protection du patrimoine architectural. Les membres de la CMP sont présentement informés du danger qui nous guette et je suis prêt à les mobiliser au sein de la coalition pour sauver notre bien commun, l'Hôtel Dieu. Pour terminer, je remercie la CSN pour son implication citoyenne dans ce dossier. Merci. Merci, M. Hull. Je vous invite à signer également. J'inviterai à ce moment-ci M. Mario Beaulieu. M. Beaulieu est président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Jeunesse Laval. Alors, bonjour, merci d'être là. Je pense que c'est très important de protéger notre patrimoine. L'Hôtel Dieu, qui était à Montréal depuis 1642, alors c'est un élément fondamental. Dernièrement, on a perdu plusieurs joyaux de notre patrimoine. Alors, l'Hôtel Dieu, il faut le préserver. C'est un des derniers hôpitaux francophones qui reste à l'ouest de l'île de Montréal. On sait qu'il y a eu l'hôpital de la Chine qui a été bilinguisé, anglicisé, et l'hôpital de Sainte-Anne-de-Bellevue qui va probablement subir le même sort. Alors ici, il faut résister. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal appuie la cause de l'Hôtel Dieu.
Alors, ce n'est qu'un début. Merci beaucoup. Merci. Donc, j'inviterai M. Beaulieu à signer la déclaration de la sauvegarde d'Hôtel-Dieu également. Madame, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, Mme Harel ne pouvait se joindre à nous, mais on a quelqu'un de son équipe qui a pu se présenter. Mme Sarah Gagnon de Vision Montréal, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Mme Harel m'a dépêchée en vitesse. Elle m'a dit « saute dans un taxi vite parce qu'on a des bonnes nouvelles ». Ce matin, c'était le conseil municipal de Montréal qui se poursuivait. Puis Mme Harel, avec l'ensemble des élus de Vision Montréal, ont déposé une motion qui demandait en fait à l'ensemble des élus de donner un mandat en fait à l'Office de consultation publique de Montréal. J'imagine que plusieurs d'entre vous connaissent cette organisation-là. Et l'objectif en fait, c'est de reprendre un peu de leadership à Montréal et de demander aux citoyens qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'Hôtel Dieu puis l'ensemble des institutions patrimoniales sur la montagne. D'arrêter de se faire imposer ça par Québec. Donc, c'est pas encore débattu, ça va être débattu le mois prochain, au conseil municipal le mois prochain. Donc, je vous invite à rester à l'affût de tout ça. Merci. Merci, Mme Gagnon. Pour terminer, j'aimerais inviter le vice-président de la Fédération Santé et Services sociaux, M. Guy Lorion. Merci. Minutes, regardez bien cet édifice. Cet édifice fait partie de l'histoire de Montréal. Elle fait partie du développement de nos soins de santé et services sociaux. Aujourd'hui, nous sommes fiers, comme Fédération de la Santé et Services sociaux, de s'associer à cette coalition, oui, pour un engagement ferme de maintenir cet édifice-là au niveau de la santé et non de s'en départir comme le voudrait. Donc, c'est un combo, oui, citoyen et citoyenne, c'est un combo aussi en même temps au niveau des gens, des services sociaux et services de santé. C'est en même temps un engagement qu'on doit se donner. Préserver notre patrimoine, préserver nos services. 50 millions ont été investis dans cet édifice pour s'assurer qu'il y avait une qualité de soins et en même temps développer l'expertise, aussi bien au niveau de la cardiologie, au niveau des grands brûlés, alors qu'on est en besoin dans nos services de santé. Aujourd'hui, on vient nous dire qu'on n'a pas besoin de ces services-là et on peut couper 140 lits de courte durée, on peut couper dans les urgences. Pour nous, c'est inacceptable. La coalition, elle est nécessaire pour le maintien de notre patrimoine, mais en même temps, maintien de nos services de santé, services sociaux et maintien de notre histoire de ces services-là au sein de la population. Sur ce, merci. La Fédération, oui, elle prend engagement, mais en même temps, elle prend engagement de s'impliquer dans l'ensemble de cette lutte-là et de maintenir l'Hôtel-Dieu dans les services actuels. Écoutez, vous avez entendu plusieurs intervenants de différents secteurs. C'est vrai que ce n'est pas une bataille syndicale qu'on mène là, c'est une bataille de société pour les besoins de la population de Montréal qu'on veut maintenir dans les services de santé et services sociaux. À cet effet, l'ensemble des intervenants, l'ensemble de toutes les personnes qui sont présentes ici, votre présence, elle est importante dans cette sauvegarde-là. On va continuer à se battre pour la sauvegarde de l'Hôtel-Dieu. On va être là jusqu'au bout. Solidarité, tout le monde! Ouais!